Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Une vidéo très intelligente qui relève d'un cas pratique quand j'étais jeune médecin qui vient de s'installer. C'est pour vous démontrer d'une façon très concrète et pragmatique que le comment ça marche, c'est mieux que de chercher pourquoi ça marche pas. C'est une des proposées de la programmation neurolinguistique, PNL. Je crois que vous connaissez PNL. Donc, dans les préposés de coaching, vous savez, hier, je vous ai fait une vidéo sur la questionnologie. Comment poser les bonnes questions pour éveiller la conscience de votre interlocuteur et l'amener à réfléchir. OK? C'est très important. Alors, dans ces préposés, ce sont des préposés de base qui vont vraiment aider vous et l'autre, et on évolue. Donc, il dit bien, le comment ça marche est plus utile que le pourquoi ça marche pas. Donc, écoutez, c'est un cas très intelligent. Avec le sourire. Observez bien, et c'est basé sur l'intelligence observationnelle. C'est en observant intelligemment qu'on comprend les choses, mais il faut avoir quand même quelques bases. C'est l'histoire d'une patiente, je crois, voilà, cinquantaine, eh bien, elle dit, voilà, docteur, chaque fois que je bois mon thé ou mon café, eh bien, à chaque fois que je bois, surtout le thé, parfois, j'ai mal à l'œil. Tiens. Je suis allé voir beaucoup de médecins. Ils m'ont fait les analyses du sang, des radios pour chercher pourquoi est-ce que j'ai mal. Bon, moi donc je la regarde, j'ai appliqué ma propre philosophie, mon enseignement, la PNL, le coaching. Et ben, je lui dis, madame, ok, très bien. Alors, je lui dis, madame, écoutez-moi bien. Les autres ont cherché pourquoi vous avez mal. Mais moi, j'aimerais savoir comment vous faites. J'aimerais bien vous voir comment vous faites quand vous buvez votre thé. OK? On me dit, voilà, docteur, je mets mon thé, je remue et je bois. Et quand je bois, j'ai mal à l'œil. Chers amis, observez bien. Avez-vous trouvé le diagnostic? Je vous le dirai pas, c'est à vous de le trouver. Écrivez des commentaires et je vous donnerai la solution. Ainsi, vous pouvez sauver beaucoup de gens. Demandez toujours le comment. Parce que eux, les autres médecins, ils vont chercher le pourquoi. Parce qu'ils ont appris dans leur cours à l'université que quand on a mal à l'œil, qu'on boit du thé ou d'excitant, il fait ça, ça fait ça. Ils ont appliqué ce qu'ils ont appris. Mais il faut sortir aussi parfois être intelligent en se basant sur ce qui a été fait déjà d'une façon correcte. OK? J'espère que vous avez trouvé le diagnostic et la solution. À bientôt! Est-ce que je suis clair, chers amis?